Bonjour, aujourd'hui nous méditons Marie et l'Esprit Saint. Marie et l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint? Tout d'abord, je vous étonne peut-être en disant que l'Esprit Saint est déjà présent dans l'Ancien Testament. Présent, nous dit Jean-Paul II dans sa lettre Redemptoris Missio au paragraphe 28, et cependant, il n'est pas encore donné en plénitude. Comme nous dit l'évangile de Jean 7, verset 39, l'Esprit Saint n'était pas encore donné, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit Saint en plénitude nous est donné sur la croix, Jean 19, 30, le soir de Pâques, Jean 20, 22, à la Pentecôte, acte 2. C'est l'Esprit de Jésus. Et il faut attendre le mystère pascal, le mystère du plus grand amour, le mystère où il n'y a plus d'ambiguïté sur là où nous conduit Dieu. Mais l'Esprit Saint est présent, nous dit Jean-Paul II, chez les païens et dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que les hommes peuvent être conduits vers le Christ et le reconnaître. Qui peut nous faire reconnaître Jésus sinon l'Esprit de Jésus ? Présent dans l'Ancien Testament, retenons quatre points. L'Exode, prêtre, prophète et roi. L'Exode, c'est l'Esprit Saint, roi Rakadosh, qui pousse les Hébreux et qui les fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Une oppression à la fois sociale et intérieure, par le mythe, par l'occultisme. Et c'est l'Esprit Saint qui les pousse au désert et qui leur fait vivre l'alliance au Sinaï. C'est l'Esprit Saint qui fait du sacrifice de la première Pâque ce passage tellement fondateur que le livre de l'Exode est dans le Pentateuque. Prêtres, prophètes et rois, les prêtres de l'Ancienne Alliance gardaient la loi reçue au Sinaï et ils officiaient dans le temple. Sacrifice du pardon, sacrifice de communion. Et à la différence des prêtres du paganisme qui faisaient parfois des prostitutions sacrées pour attirer les forces de victoire dans les guerres, eux, ils vivaient dans la continence au moment où ils officiaient dans le temple. Un tour de rôle. Rois. Les rois de l'Ancien Testament reçoivent une onction, autrement dit une onction de l'Esprit Saint, pour leur mission. David était un roi selon le cœur de Dieu, qui s'occupait de la pauvre et des pauvres et des orphelins. Et cependant, ce n'est qu'une préparation. Le royaume du Christ est universel, éternel. L'Ancien Testament prépare à reconnaître le Christ. Prêtre, roi. Dans l'Église, il y a encore cette fonction sacerdotale, cette fonction royale, et les apparitions mariales et toute la dévotion mariale respectent l'institution de l'Église. Marie, fille de Sion, respectait les institutions d'Israël. Elle respecte les institutions de l'Église. Elle nous conduit à respecter ces institutions. Prophète. L'Ancien Testament, l'Esprit Saint investit les prophètes, qui vont justement rappeler au roi la loi de Dieu et qui vont aider à comprendre les événements qui surviennent. Rappelons deux prophètes, Ézéchiel 36, qui annonce un cœur nouveau, un esprit nouveau. Isaïe 63, qui prend conscience jusqu'à quel point les êtres humains sont dans l'obscurité et ont besoin que Dieu se manifeste. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Et nous le savons, Dieu a déchiré les cieux, il est descendu le jour de l'Annonciation à Nazareth. Alors, voyez-vous, la Vierge Marie a été pétrie de l'Esprit Saint, nous disent les orthodoxes. Les pères de l'Église, depuis Grégoire de Nazianze et bien d'autres, avaient tout à fait compris que Marie, dès avant l'Annonciation, avait été prépurifiée pour être dignement la mère du Fils de Dieu.
Elle était pétrie de l'Esprit-Saint. Les catholiques ont un langage un peu plus négatif. Ils disent qu'elle n'avait pas le péché originel. Immaculée conception. Mais c'est bien la même signification exprimée par deux langages complémentaires que nous détaillerons une autre fois. À l'Annonciation, Jésus s'incarne. Il s'incarne dans l'Esprit-Saint. C'est par l'Esprit-Saint que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, sans séparation, sans confusion. C'est par l'Esprit-Saint que le Verbe s'est fait chair. C'est par l'Esprit-Saint que Dieu envoie son Fils unique, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Galates. Luc décrit l'incarnation du Verbe comme une descente, comme la nuée qui recouvre la tente de la rencontre ou l'arche d'alliance. Alors, l'Esprit-Saint aussi permet à Jésus de se révéler. Quant à Marie, au moment de l'Annonciation, elle vit une union à Dieu qui n'est pas commune. Elle qui est pétrie de l'Esprit-Saint, toute sainte, Panagia, disent les orthodoxes, eh bien, elle est capable de participer à la vie divine, elle est capable de s'unir au Dieu trois fois saint. Et alors, elle est sous la puissance de l'Esprit-Saint, en grec, dynamis. Retenez ce mot, parce qu'on va le retrouver pour la promesse de Jésus de la Pentecôte au moment de l'Ascension. Jésus leur promet la dynamis de l'Esprit-Saint, traduit parfois par force. Mais ne pensez pas une force un peu physique. Oui, c'est une force physique, mais c'est une dynamis que les enfants, les doux, les pauvres, les malades peuvent tout aussi bien recevoir. La dynamis de l'Esprit-Saint. Alors, Marie est consacrée dans l'Esprit-Saint. Sa virginité devenue féconde est consacrée. Marie est devenue toute belle, nous dit un saint du Moyen-Âge, saint Alred de Livaux. Toute belle parce que sur elle repose l'Esprit-Saint. Saint Éphrem nous dit que par sa sainte conception, accès a été donné à la chasteté pour qu'elle habite en tout corps. La chasteté de Marie est un fruit de l'Esprit-Saint. Quand on dit que Marie est le sanctuaire de l'Esprit-Saint, c'est une expression qui vient de saint Paul. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit-Saint ? On dit aussi parfois que Marie est l'épouse de l'Esprit-Saint. Ça ne veut pas dire, comme dans les paganismes, qu'une femme serait mariée avec la divinité. Non, ça ne veut pas dire non plus que l'Esprit-Saint aurait une relation un peu exclusive avec Marie et que nous en serions un peu exclus. Non, ça veut dire que Marie est toujours fidèle à l'Esprit-Saint. C'est cela que ça veut dire. Épouse de l'Esprit-Saint, parfaitement fidèle, qui correspond parfaitement à l'Esprit-Saint. Alors c'est l'Esprit-Saint qui va unir le cœur de Marie et de Jésus. Ça c'est saint Jean Eudes qui nous l'explique. Quelle union, quelle communication, quelle correspondance entre ces deux cœurs. Saint Jean Eudes. Et saint Pierre Damien qui va nous dire que les sept dons de l'Esprit-Saint font de Marie comme une maison à sept colonnes. Alors, après l'Annonciation, la Visitation. Et là, nous avons encore Origène, un père de l'Église mort en 253. Il nous dit, bien voilà, à l'Annonciation, Marie a reçu l'Esprit-Saint qui est descendu sur elle. Cette descente de l'Esprit-Saint non seulement a produit en Marie le corps du Christ, mais lui a aussi communiqué une grande perfection. Et depuis ce moment, l'âme de Marie est remplie de l'Esprit-Saint. C'est pour ça qu'au moment de la Visitation, elle peut communiquer l'Esprit-Saint. Et de fait, Élisabeth est remplie d'Esprit-Saint, et plus tard, peu après, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est rempli de l'Esprit-Saint. Et Marie
proclame le Magnificat sous l'impulsion, dans la joie et l'esprit prophétique de l'Esprit-Saint. Et le Magnificat, qui, nous le verrons une autre fois, a déjà une composante pascale, avec un paradoxe entre l'humilité et l'élévation. Continuons. Toute la vie de Marie est animée par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint aide Marie ou lui inspire à être présente. Dieu est présent. Marie est présente. Le temps présent est le temps de Dieu. Marie présente aux bergers de Noël. Marie présente aux époux de Cana qui manquent de vin. Marie attentive. L'Esprit-Saint inspire aussi à Marie l'audace. Marie, qui à Cana dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, et qui a l'audace de dire au servant, faites tout ce qu'il vous dira, alors que Jésus vient de lui dire, mon heure n'est pas encore venue. L'audace de Marie. Marie qui pousse, qui est poussée par l'Esprit-Saint à aller de l'avant. Aller de l'avant. Aller chez sa parente Élisabeth, mais aussi aller de l'avant. L'Esprit-Saint qui inspire aussi à Marie sa méditation. Méditer dans l'Esprit-Saint. Marie gardait et méditait toutes choses en son cœur. De l'Annonciation à la Pentecôte, tous les exégètes ont remarqué le lien. L'Esprit-Saint, la puissance du Très-Haut, dynamis, survient sur Marie. À la Pentecôte, l'Esprit-Saint, dynamis. Jésus dit, l'Esprit-Saint, attendez à Jérusalem qu'une force en grec dynamis vous revête, ou que la force de l'Esprit-Saint dynamis descende sur vous. Alors, l'Esprit-Saint descend sur Marie, descend sur les apôtres. Marie proclame les grandes choses que Dieu fait. Ces merveilles, en grec « mégala », la même chose pour les apôtres. Ils proclament les merveilles de Dieu. Ce lien entre l'Annonciation et la Pentecôte montre qu'il y a une phylogénèse de l'Église. Il y a un lien entre Marie et l'Église. Saint Léon le Grand dit « L'Esprit qui fait naître le Christ du sein d'une mère sans tache fait également renaître des entrailles de la Sainte Église le chrétien. » Et saint Augustin souligne que Marie est aussi la mère des membres du Christ. Voilà. Alors, le cénacle de la Pentecôte est aussi un cénacle de miséricorde. N'oubliez pas cela. Marie est entourée des disciples qui ont déserté, sauf Jean, sauf quelques femmes. Les disciples ont déserté et ils sont là au cénacle. Et Marie, comme Jésus, est toute miséricorde. Et Marie, fille de Sion, qui a appris que le sacrifice pascal était un sacrifice pour la libération d'Égypte, pour le passage du désert vers la terre promise, Marie transmet aux disciples que le sacrifice pascal de Jésus, c'est pour la libération, mais cette fois la libération de Satan, et le passage vers toutes les nations, et le passage vers la vie éternelle. La Pâque. Il faut l'Esprit-Saint pour comprendre le sacrifice du Christ, pour comprendre sa dynamique. Continuons. Marie et les charismes. Marie au Cénacle reçoit les dons de l'Esprit-Saint et ses charismes. Le premier charisme de Marie est tout à fait unique, c'est celui d'être mère de Jésus. Il n'y en a qu'une. Les Actes des Apôtres donnent le nom des 11 apôtres et le nom de Marie, mère de Jésus, ne donne pas le nom des autres femmes. Donc, la présence de Marie est soulignée. Marie a le charisme d'être la mère de Jésus, mais elle a aussi les autres charismes. La liste des charismes est donnée dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Retenons, Marie a le charisme de sagesse, bien sûr, puisqu'elle médite dans l'Esprit-Saint, à la manière des sages de l'Ancien Testament, mais dans l'Esprit de Jésus. Marie a le charisme de science et de prophétie et de sagesse, notamment dans le Magnificat. Marie
a le charisme de la foi, elle a le charisme des miracles. Le premier signe de Jésus, il l'a fait à Cana, à la prière de sa mère, Jean chapitre 2. Et comme Marie a préféré l'union au Christ que les miracles, elle était présente au calvaire alors que les disciples avaient déserté. Maintenant qu'elle est montée aux cieux, son charisme des miracles est décuplé. Combien de miracles Marie, par son intercession auprès de son divin Fils, n'a-t-elle pas obtenu dans tous les sanctuaires du monde? Combien de témoignages? Et cependant, Jésus nous a prévenus qu'il ne suffit pas de prêcher sur les places publiques, de chasser les démons et de faire des miracles pour être réellement ses disciples. Il nous a prévenus que si nous manquons à la vie de la grâce, si nous manquons à la charité, alors je vous dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 22-23. Donc, abandonnons nos charismes à Marie pour les vivre avec elle, en elle. Ça ne sert à rien de vivre 36 charismes si nous ne les vivons pas avec la pureté d'intention qui habitait la Vierge Marie, avec cette virginité de cœur. Souvenez-vous de Saint Jean de la Croix qui parle des charismes. La vie charismatique existait de son temps et il y avait de grands charismatiques de son temps dont certains n'étaient pas authentiques. La montée du Carmel, livre 3, chapitre 29. Elle est très très précise sur les charismes, qui sont à la fois très précieux, puisque les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, et gloire est rendue à notre Dieu. Mais il ne faut pas non plus les vivre n'importe comment. Il faut les vivre avec détachement. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Ce qui est important, c'est Dieu et la vie éternelle. La vie terrestre est importante, mais elle est passagère. Marie et les 7 dons de l'Esprit-Saint. Voyez-vous le don de crainte de Marie, la crainte délicieuse, qui n'est pas la peur de Dieu, mais qui est cette délicatesse du cœur qui fait craindre tous ceux qui pourraient ternir la charité, ternir la pureté, déplaire à Dieu, ralentir son plan divin, freiner l'accomplissement de tous ses desseins, peiner des frères et sœurs, contrarier le plan de Dieu sur nos frères et sœurs. Cette crainte que Marie avait bien sûr, avec beaucoup de délicatesse. Le don de conseil, qui est de savoir s'adresser à Dieu et recevoir ses éclairages divins, et ainsi vivre toujours dans la sérénité et la paix. Don de conseil par la prière, le don de piété, une affection filiale, le don de force, pensez à Marie debout au pied de la croix, le don de science, d'intelligence, de sagesse, la science qui nous fait juger correctement les choses créées par rapport à l'éternité, l'intelligence qui nous fait voir l'harmonie de la révélation, des choses révélées. Et la sagesse, le mot sagesse qui est le même que le mot saveur, qui nous fait goûter les choses de Dieu. En Marie, rien n'est amer, tout est doux, tout est savoureux. Marie a aussi les fruits de l'Esprit-Saint. Comprenez bien que les fruits perfectionnent les vertus humaines. Il y a des païens qui ont la paix, l'amour, la piété. Pensez à Gandhi, c'était pas un chrétien, il n'était pas baptisé. Et pourtant, quel artisan de paix! La piété, c'est une vertu humaine aussi. Pensez aux musulmans, ils exercent la piété humaine. Et pourtant, nous l'expliquerons peut-être un jour, leur foi est très différente de la nôtre. Même leur vision de la Vierge Marie est très différente de la nôtre. Alors, quand nous parlons des fruits de l'Esprit-Saint, c'est les fruits de l'Esprit de Jésus qui vont perfectionner et donner une suavité spirituelle tout à fait particulière aux vertus humaines. Il y a donc dans les fruits de l'Esprit-Saint la charité, la paix, la joie,
la patience. Et tout cela a été merveilleusement développé en Marie. Charité, paix, joie, patience ont un lien avec Dieu. Il y a aussi des liens avec le prochain. L'amabilité, la bonté, la longanimité. La longanimité qui est une générosité dans la durée. Une générosité inépuisable. Il y a aussi, dans la liste de saint Paul, la foi. Mais là, la foi comme rapport au prochain, c'est-à-dire la sincérité, la franchise. Ce qui permet la confiance dans les autres. Et aussi les fruits de l'Esprit-Saint par rapport au corps, la modestie, la pureté, la maîtrise de soi. Tout cela, bien sûr, brillait en Marie. Terminons encore. La présence de Marie attire en nous l'Esprit-Saint. Ça, c'est l'expérience des grands saints. Nous pouvons citer Liberman, qui est un juif devenu catholique, le second fondateur des Spiritains. Nous pouvons citer Maximilien Kolb, un franciscain, Saint-Louis-Marie de Montfort, fondateur des Montfortins. Alors, Saint-Louis-Marie de Montfort explique très longuement cette médiation de Marie en disant que c'est tout simplement l'ordre divin. Jésus s'incarne par Marie, Jésus est la source de tous les dons, Jésus est inséparable de l'Esprit-Saint, puisque la Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. Donc, les dons de l'Esprit-Saint et l'Esprit-Saint en personne viennent par Marie. Dans nos cœurs et dans nos vies et dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Jésus vient par Marie, Jésus inséparable de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint vient par Marie. Donc il nous faut une piété mariale pour avoir de façon authentique l'Esprit-Saint dans nos cœurs, dans nos vies et dans le monde. C'est bien expliqué, traité de la vraie dévotion, paragraphe 25 ou 217. Mais nous le voyons aussi dans l'Évangile. Prenez les choses dans l'ordre de l'Évangile. Jean chapitre 2, les noces de Cana, la présence de Marie. Jean chapitre 3, Jésus explique à Nicodème qu'il faut renaître de l'Esprit-Saint, renaître d'eau et d'esprit. Jean chapitre 19, au calvaire, versets 25-27, Jésus dit aux disciples, « Voici ta mère ». Verset 30, Jésus meurt en remettant l'Esprit-Saint. Il remet l'Esprit. Et nous avons vu le lien entre l'Annonciation, d'abord, et la Pentecôte, ensuite, au seuil de l'Évangile de Luc, au seuil des Actes des Apôtres, rédigés aussi par saint Luc. Avant de terminer, quelques erreurs à éviter. Alors, un peu d'histoire de l'Église, rapidement. Premier siècle, les évangiles, 4e siècle, les grands conciles, la Trinité, une, indivise, les trois personnes, une nature, trois hypostases. Donc, les trois personnes divines ont les mêmes vertus. Elles se distinguent par leurs relations. Le Père n'est pas plus puissant que le Fils. Le Père et le Fils sont tous les deux puissants. L'Esprit-Saint n'est pas plus amour que Jésus. Le Fils est amour. La puissance et l'amour, ce sont des vertus qui appartiennent aux trois personnes ensemble, qui sont égales en dignité. Cependant, d'une manière imparfaite, mais pour mieux comprendre, les Pères de l'Église et les saints du Moyen-Âge on fait ce qu'on appelle des appropriations. Par exemple, saint Augustin. La mémoire est appropriée au Père, l'intelligence au Fils, l'amour au Saint-Esprit. Et ça permet d'expliquer un petit peu, que l'être humain est à l'image de Dieu, parce qu'il a mémoire, intelligence, amour. Mais c'est imparfait, c'est une manière de dire. Seulement au Moyen-Âge, Abelard a durci les choses et c'est devenu une abstraction, abstrait. La puissance, c'est le Père. La sagesse, c'est le Fils. La bonté, c'est l'Esprit-Saint. Et on en est venu à plus rien comprendre. Comment l'Esprit-Saint peut-il être Dieu, puisqu'il n'a pas la puissance, puisque la puissance, c'est le Père. Donc, c'est devenu vraiment obscur.
Saint Bernard s'est mis en colère, il a fait rejeter Abélard. Saint Thomas d'Aquin a essayé de calmer un peu les passions en disant oui, mais bon, les disciples d'Abélard ont un peu raison, ça existait du temps des pères de l'Église. Mais ensuite est survenu Joachim de Flore, après Saint François d'Assise, qui était vraiment stupéfiant parce qu'il était le premier stigmatisé. Il a dit, mais maintenant c'est l'époque des moines et des grands spirituels, et donc on va dire, le temps de l'Ancien Testament, c'est le Père, Jésus, c'est l'Évangile et l'Église, mais nous, maintenant, avec les moines et les grands spirituels, c'est le temps du Saint-Esprit. Vous voyez cette appropriation, cette fois, par des périodes de l'histoire. Évidemment, c'est une hérésie. Et les disciples, alors Joachim de Flore a rattrapé un peu les choses pour rester catholique, mais ses disciples, pas du tout. Et c'est Saint Bonaventure qui a rétablit les choses en disant « Jésus est au centre de l'histoire, ça n'empêche pas qu'il y ait un progrès. » Évidemment, on est content d'avoir Saint François d'Assise, ou Sainte Catherine de Sienne, ou Jean-Paul II, mais ce progrès se réfère toujours à Jésus et à son Église qui nous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse. La dévotion mariale ne doit jamais conduire à des sectes de soi-disant spirituels qui se passeraient de l'institution de l'Église. Mais non, ça n'a aucun sens. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai donné dans les apparitions de Fatima dans l'autre vidéo. Eh bien, il y a des prières enseignées en 1916 par l'ange qui sont des prières trinitaires ou eucharistiques et trinitaires. L'Eucharistie, donc l'Église qui célèbre l'Eucharistie. La piété mariale conduit toujours à l'Église et à la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, qui est indivise. Voilà. Merci. Au revoir.